Petit ours brun fait une cabane. Dans le jardin, il y a un parasol. Petit ours brun est bien installé dessous. À côté du parasol, il y a une grande serviette. Petit ours rousse sait très bien où la mettre. De l'autre côté du parasol, on voit le jour. Petit ours brun met une serviette à son tour. Dans le jardin, il y a une cabane maintenant. Petit ours rousse dit « On est bien là-dedans !» Dans la cabane, il y a de la place. Petit ours brun dit « On pourrait y dormir !» Petit ours rousse dit « Oui, d'accord, mais il faut fermer la porte !» À ce moment-là, tout tombe par terre. Petit ours brun rit. Tout est en l'air. Coucou les enfants. Est-ce que vous avez bien écouté l'histoire de Petit ours brun? Car je vais vous poser des questions. Vous êtes d'accord? On y va? Allez, c'est parti! Alors, première question. Que veut faire Petit ours brun? Oui, bravo! Il veut faire une cabane. Deuxième question. Où Petit ours brun veut-il faire la cabane? Très bien, oui, dans le jardin. Troisième question. Avec quoi Petit ours brun fait-il la cabane? Un parasol, bravo! Quatrième question. Avec qui Petit ours brun fait-il la cabane? Petit ours rousse, oui, très bien les enfants, vous avez bien écouté l'histoire. Allez, continuons. Cinquième question. Qu'y a-t-il près du parasol? Une grande serviette, bravo, c'est bien ça. Sixième question. Que veut faire Petit ours brun dans la cabane? C'est bien ça, il veut dormir. Oui, bravo. Septième question. Que se passe-t-il lorsque Petit ours rousse veut fermer la porte? Avec une serviette, bien sûr. Tout tombe par terre, c'est exactement ça, bravo! Et dernière question, les enfants. Que fait Petit ours brun lorsque, patatras, tout est tombé? Il rigole, évidemment. C'est bien ça. Bravo les enfants. Vous avez réussi à répondre à toutes les questions et bien écouter l'histoire de Petit ours brun. Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.